fait coupe la joie. Ce que c'est Rina. Ce que c'est Rina. Ce que c'est Rina. Pas de plusieurs artistes du Septentrion ont enflammé la scène de la cour extérieure du palais royal de Koburu lors de la nuit de la Gani étape de Parakou. Le public, venu massivement, a vécu un moment de fête et d'effervescence. Je remercie la population de Parakou qui a répondu massivement. Et vous avez vu l'effervescence avec moi et l'engouement autour de cette veillée. Nous sommes habitués à faire ça depuis des années, nous le faisons. Nous sommes heureux, nous sommes contents de donner cette joie à la population de Parakou qui est avec nous et qui répond toujours à chaque fois qu'on les appelle. Après avoir émerveillé le public, les artistes qui se sont produits sur scène ont exprimé leur fierté. C'est une grande fête, c'est une fête traditionnelle et la tradition, c'est un acquis, c'est un don que Dieu nous a donné. Il faut respecter la tradition. Vraiment, c'est une joie aujourd'hui d'être ici parmi mes collègues artistes. Et c'est une joie de me retrouver en bonne santé pour ce jour si béni. Les fans, je leur dis toujours merci. La fête a bien réussi. C'est bien. Nous sommes contents. On leur dit merci. Que Dieu nous accorde la santé pour que l'année prochaine soit plus organisée que cela. Le public n'a pas manqué de témoigner sa gratitude envers les organisateurs qui ont offert une occasion aux uns et aux autres de se divertir pleinement. Mes impressions sont illimitées. Je tiens sincèrement à remercier les organisateurs qui est présidé par le président Bourou Soumane. Nous le remercions énormément pour tout ce qu'il fait déjà pour la jeunesse paraquoise, en particulier pour tous les artistes, que ce soit de la nouvelle génération jusqu'à l'ancienne génération. On voit ce qu'il fait et d'après ce qu'on entend dans les coulisses, c'est grâce à lui qu'il y a eu assez de mobilisation. On remercie vraiment le peuple paraquois d'avoir massivement fait le déplacement pour venir suivre ce spectacle. Que ça ne s'arrête pas, que chaque année on puisse vivre de tels spectacles dans la ville de Parakou. Ce succès a été rendu possible grâce au soutien de plusieurs personnalités influentes. Ils ont répondu présent à notre appel. Et c'est des artistes qui sont venus en tant que prince de la cour que je suis. Ils sont venus me soutenir et je leur dis chapeau. Tu vois, je les remercie beaucoup et je remercie nos autorités, nos personnalités qui nous ont accompagnés. En l'occurrence, Samou Seydou Adambi est le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines. L'honorable Charles Toko, l'honorable Rachid Badamassi, le maire de Parakou, le roi de la cour et de Koburu et tous ses compagnons. Les organisateurs ont su répondre aux attentes en contribuant à la valorisation de l'héritage culturel des peuples Batonou, faisant de cet événement une véritable réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.